Marjac, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Ça fait au moins un an. Et ta pipe, tu la fumes plus? Tu l'as cassée ou quoi? M'en parle pas. En revenant, j'étais sur le pont, il y avait un cagnard d'enfer, tu vois, du lourd. Je me suis endormi, tu me connais, c'est pas trop mon genre. Mais je dormais bien, profondément, j'étais bien. Et quand je me suis réveillé, il y avait un homard devant moi. Et dans sa pince, il avait ma pipe préférée, ma pipe porte-bonheur. Celle que j'emmène partout avec moi. Alors j'ai essayé, tu vois, de l'attraper délicatement, et cet enfoiré, il a sauté. Alors j'ai plongé. Évidemment, je l'ai pas récupéré. Tu me promets, Boboche, t'en parles à personne. Ta canne, Marjac, je le dirai à personne. Je vais te faire à manger. Salut, Chris. Oh, comment tu vas, Marjac? Ça va? Ça va? C'est une paille que je t'avais pas vu. Bah ouais, là, je reviens d'Afrique. Tu fumes plus la pipe, toi, maintenant? Bah, figure-toi qu'un homard m'a piqué ma pipe. Un homard? Putain, t'as pris un coup de soleil sur la tête, toi. C'est bien possible. Dis donc, t'as toujours tes tomates d'Éthiopie? Ouais, tiens. À te rafraîchir, ça te fera du bien. Celle-là, c'est les meilleures. Allez. Je te retrouve à la marine. Ça marche, à tout à l'heure. Dis donc, ouais, je t'ai fini mon histoire. Là, tu sais que je reviens des Sibi. Et on a eu une tempête d'enfer. On a eu des grains à 50 nœuds. Et une cadenne qui a pété. J'ai eu le mât qui est venu taper dans la coque. Il a failli faire un trou. Heureusement, j'avais des cisailles. J'ai pu tout couper, quoi, parce qu'autrement... On mettait dans le trou, hein, on coulait à pic. Ouais, j'ai connu ça. Dis donc, t'as pas l'air en forme, toi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, un drôle de truc. Oh, c'est dérisoire, je sais bien. Il y a un homard qui m'a piqué ma pipe. Mmh. Écoute, moi je vais te dire. Moi, il y a un maquereau qui m'a piqué ma femme. Oh, mon pauvre ami. Massaille Purco. J'ai beaucoup de mal à l'obtenir. Du chaud du cœur, merci Jean. Il est magnifique. Je savais que ça te ferait plaisir. Raconte-moi ton voyage. Ça a démarré sur les chapeaux de roue. On était dans le désert du Chalvi quand les Chiftas sont attaqués. On t'a traité de Youpin, de Rouquin, de Bico, de Métec, de Benoît, d'Espingouin, de Négro, de Pâques. Chniac ou citron, de melon, de gringo, d'esquimo, romano. Mais aujourd'hui, tu vas les prendre au mot, devenir un vrai desesperado. On va te baptiser du plus beau nom d'oiseau. Bienvenue chez les princesses. Je peux donner ici. Luna. Oh. Oh. Elle est souriante, hein? Comme sa maman. C'est ça. J'ai connu une Luna, moi, à la Havane. Mais elle était plus grande que toi. Mais elle avait pas d'aussi jolis yeux. Bravo, mon Juju. Elle est magnifique, votre fille. Je t'embrasse. Merci bien. Alors, Chris, t'admires la vue? Ouais. Pas beau ici. C'est chouette, hein? Et dis-moi, tu vends toujours à Ducasse et à l'Elysée? Toujours? Toujours, ça change pas, ça. Et à Beauvoche, toujours, ça changera jamais, ça.
attention à la cuisine qu'il te fait, c'est du top. Oh, c'est du top. Alors là, c'est du top. Moi, je me régale à chaque fois. Chaque fois, je me régale. La base du chameau n'atteint pas le noir corbeau. Quand tu marches dans la rue, les gens te saluent. Ils lèvent leur chapeau, car le monde entier respecte vos pseudos. Ah, Mao, si j'avais 20 ans de moins. Et moi, qu'est-ce que tu m'as ramené de ton voyage? La prochaine fois, c'est toi que j'emmène. Chiche. À ma tête. Excuse-moi. Dis-moi, Yves, t'es dans quoi maintenant? Maintenant, je suis dans le homard. M'intéresse. Bon? Ouais. Où est-ce que tu pêches? Ah, bah, je suis derrière les îles à pêcher. Ouais, le plateau de Rocheux, là, qu'on a. Vous voulez boire quoi, les gars? Des rhums, maintenant. Ça marche. Je suis dans les îles Cinquet, derrière, sur un plateau qui s'appelle le plateau des Ors, sur une petite base. On mange plutôt pas mal. Ça repose en l'eau, mais alors ça change de métier un peu. Voilà. Comment s'appelle la roche? À quelle roche? Là où tu pêches. Les enfumés. Oui, c'est ça, les enfumés. Je trouve ça assez curieux, quand même. T'as rien remarqué de spécial? Non, mis à part que la saison est plutôt bonne. Un spécial. Figure-toi que j'ai un homard qui m'a fauché ma pipe. T'es sérieux là, Marzac? Tu as l'air de plaisanter. Un homard qui t'a fauché ta pipe? Ouais. Et tu te foutras pas un peu de ma gueule là? C'est mon genre. Écoute, Marzac, si t'es venu me voir, depuis du temps que je t'ai pas vu, pour me raconter des conneries avec tes homards qui t'ont fauché ta pipe, bah écoute. Je crois que là, c'est pas la peine. T'as qu'à aller demander Omar s'il boit du rhum. Salut, Marjac. Ah bah, je suis content de t'avoir revu. Bon alors, la Marjac, t'y es pas? Ça m'emmerde, ce jeu. Y'avait pas un jeu d'échecs, autrefois, ici? Il y en avait un très joli, mais à ce qui paraît, c'est un homard qui l'a volé. Elle me manque, ma pipe. Salut Jean. Salut Fred. Ça va? Ça va. Ça a l'air. Dis donc, j'arrive de la marine là. Ouais. On m'a raconté que. Ah, Omar, t'as piqué ta pipe? N'importe quoi. C'est mythomane, il raconte n'importe quoi, ça fait des années qu'il raconte n'importe quoi. Donc on t'a pas piqué quoi. Enfin, tu l'as perdu, ça? Non, on me l'a fauché. Ah bah tu vois, alors donc on te l'a fauché. Et qui est-ce qui te l'a fauché? Un homard! Putain. Tu vois ce que j'aime ici, Boboche? C'est qu'il y a une âme. T'as des gueules ici. Cassées. Des bonnes mines, ça inspire. Ta bicoque, elle est généreuse. Il y a de la vie. C'est grâce à eux. Ouais. Et un peu grâce à toi. Merci, Mère Jacques. Ding ding dong da da gam da da gam zo. Ding ding dong da da gam zo. Voici le Lecibi Breton, le père mourant sur le far west. Le fils Bounolisé, banlieue nord-est, polo des capquets de Carbonie. Et les enfants d'une vingalique qui mordent dans leur doigt d'eau et qui font des crêpes. Voici la Lecibi Breton, le père Benoît de Vincent. Et du Guclin, notre baptême. Et notre langue à la poubelle,
Ma langue, maman. C'est à cause de Marjac, là, cette histoire de mort, là, tout ça, ouais, attends, ouais, c'est... Comment va, Jacques? Ce n'est pas de l'américain, hein? Passez l'air du Tiger! Un peu décoloré quand même. Hein. C'était la plus jolie des filles de Kilkenny. Quand on est un jeune Hoboyan, on ne doit pas séduire une dame. Pourtant, c'est sûr, il lui plaisait. Elle lui avait dit en secret. Mais son père était un notable. Jamais l'accepterait à sa table. Il s'appelait Johnny. Son cœur était un peu meurtri. Il rêvait de Maureen dans le bistrot de la Johnny, son cœur était un peu meurtri.